Peuple haïtien, c'est qu'on y a sénateur Yuri à sénateur Lambert qui a un problème. Sanction Canada avec États-Unis te prend compte des sénateurs ça yo, pas de jamais rien. Dans une ordonnance qui sortit sous corruption dans ONA, sénateur Yuri la torti risque pour 7 l'année dans prison. Et sénateur Lambert risque pour 3 l'année dans prison. Après toute investigation fin mené sur dossier, le jeune tout des sénateurs ça yo impliqué dans corruption. N'a pas rappelé que des sénateurs ça yo, depuis quelques jours là, c'est mauvaise nouvelle seulement qu'a privé ce jeune la caillou. Je vais éviter autant de plus de détails sur le dossier. Juge Bartel Jean-Claude, selon l'information nous gagnons, et il y a une ordonnance dans le dossier corruption qui impliquait le sénateur Yuri Latochi. Dans le cas de rapport, nous sommes que l'ULCC était mis dehors et qui a favorisé Maman Li. Nous sommes que son contrat qui était signé dans le Sénat pour le bureau sénateur, mais c'est Maman Li qui était signé et contrat ça. Donc, Yuri Latochi, juge l'on, voyait à juger devant tribunal criminel. Et Joseph Lambert, qui lui-même était président Sénat, également, donc, voyait à juger devant tribunal correctionnel. Peut-être, l'État entravé, travail à la justice. Donc, selon ça qui dit dans l'ordonnance là, donc, Yuri Latochi, lui-même, selon la loi, il risquait à 3 à 7 ans prison, tandis que Joseph Lambert risquait 1 mois jusqu'à 3 ans prison, selon article 4.5 de la loi 13 mars 2013 sous corruption. Oui, merci Napilkov. Et déjà, sénateur Joseph Lambert, ancien président Sénat, il a annoncé qu'il va faire appel, décision au juge là, qui voulait devant le tribunal correctionnel dans le dossier ça qui impliquait le sénateur Yuri Latochi. Il dit position claire, ULCC, pas gain rentré dans le Sénat. En ce qui concerne le dossier ça, il était doué. Fait de Madelin avec le ministre Financelan, qui lui-même, bon côté pas, tape transféré dossier dans le Sénat. Donc, Joseph Lambert, il fait qu'on est, l'étape gagné, même position, je dis encore, puisque son demande qui était faite, ULCC était fait, pour dévoyer des correspondances, yo, par rapport à dossier ça. Donc, yo, sénateur Joseph Lambert a dit, c'est à travers le ministère Finance pour le dossier passé. Donc, c'est le ministère Finance qui gagne rentré dans le Sénat République là, et c'est pour ça qu'il estimait que l'Ipsu a entravé l'enquête là, et donc il te mettait également dans le rapport là, et ULCC te mettait dans le rapport là, et juge là, lui-même, lui voyait sénateur Joseph Lambert, ancien sénateur, à le juger au correctionnel. Donc si bien comprendre, le sénateur Lambert pose un problème de forme. Oui, de forme. Il dit, mais comment ça, t'es doué fait? T'es doué fait. Pour noter, il n'a pas dit. Mais parlant de sénateur Lambert, depuis sanction, je ne pas où elle trop dans la presse, non? Je ne sais pas où elle du tout, je ne sais pas où sénateur Lambert a appelé. Il est dans le sud-est. Donc, contrairement avec sénateur Yuri Latortue, qui parlait dans la radio, qui a un ensemble d'activités, je suis dans le livre en folie récemment, premier, mais il y a une fois dans le local parti politique là, il n'est pas là à la presse. Mais sénateur Lambert, je ne sais pas où elle passe, il est tout retraité, tout politique. Et je ne sais pas où elle est, je ne parler ça avec lui. Sénateur Lambert. Papa tourné. Elle est papa aller voilà. En tout cas, papa rien aller tout beau voilà. En tout cas, oui, les amis. Oui, qui force. Bon, comme on dit ordonnance ça là, yo ka. Oui, yo ka faire appel. Ta fait appel là donc. Ta fait appel. On entend deux jours mais. Oui, dans la cour d'appel, après ça capable dans la cour de cassation et la cour de cassation l'endossé là dans des c'est mais c'est là. Mais sauf que me connaît et dans l'opinion la veut dire ça veut dire, il pas bon sénateur Yuri. Bon même le, comme si il va pas arriver et faire ça dit dans l'ordonnance là. Mais certain pas, il pas bon sénateur. Ben normalement. Il pas bon sénateur. Donc pas oublier tout dernier et événement là, pas oublier sanction Canada, sanction américaine yo. Et qui prend en compte sénateur, donc c'est certain, politiquement, il n'y a pas fait affaire, sénateur. Oui. Donc c'est certain, ça que sorti là, dans la question de donner un jugement tel là, s'il est vrai que, il y a une possibilité pour aller en appel, il y a une possibilité pour, procédure à durer aussi longtemps que possible, mais, bon, après, t'es là, bah, quoi, politiquement, libre pour sénateur, non?
fait sénateur a perdu plume. Alors bon parce que hier on s'est partagé là et alors dossier ça selon rapport ULCCA bon moi il daté il commencé en octobre 2017 sénateur Yuri La Tortue dans époque là selon rapport là t'es engagé maman madame Carmen Immacula Cantave qui a 81 l'année comme coordonnatrice bureau li hein contrat t'es signé pour 350 000 goud par mois un salaire deux fois supérieur à un sénateur selon ULCC selon données qui disponible chaque mois sénateur là c'est 121 000 gourdes pour sénateur yo chaque mois donc madame Cantave t'es engagée en octobre 2017 à janvier 2020 pendant période ça il y a 9 chèques qui étaient émettre sous nos lits selon rapport ULCCA et 8 dans 9 chèques ça a été déposé sous compte personnel sénateur Yuri La Tortue l'autre là sur un compte bancaire national sécurité ayant société sénateur Yuri La Tortue a dirigé pendant contrat ça Yuri La Tortue était assuré président Sénat République là selon règlement Yuri La Tortue était doit veiller pour sauvegarder intérêt institution dans affaire contrat cap sien yo selon unité de lutte contre la corruption madame Cantave à cause de l'âge li et oui à cap profit profil professionnel li pas rempli exigence pour yon poste comme ça dans moment il était gagné 81 l'année et lycée infirmière retraitée donc c'est ça et un gros dossier allié mais sauf que m'a rappelé sénateur Yuri La Tortue dans conférence qui était dans local parti à Delva il t'a expliqué que c'est comme ça fait tout dans sénat majorité sénateur dans l'époque là c'est mounio c'est proche qui et ça pas mettre frère va mettre maman yo mettre bon père papa yo ménage yo madame yo on va donc ça veut dire si elle c'est elle fourre toujours il y a qui risque toi c'est en prison toujours parce que c'est oui alors ça veut dire et comme ça c'est avec lui au pays parce que chaque sénateur a un bureau bon c'est ça il dit elle dit comme dans le cash chèque là et puis c'est le ça il va le bailler chaque monde mais c'est la vérité bah on explication tout parce que les l'argent débloqué il va faire ou de l'faire c'est la théâtre tout près là c'est la théâtre dit comme ça que des fois on est les pour bureau à fonctionner et que mon capteur va la donne faut que tu touches à temps donc chèque là qu'on prend le temps pour le venir. Ça, c'est le pays qui fait lui. Donc, s'il fait lui dans un fonds personnel ou bien dans un fonds business lui. Donc, vous d'accord. Et là, j'en viens, par exemple. Ah, mais dis ça, donc, oui. Il faut pas se faire bailler. Oui, j'avais inventé ça. Vous comprenez? Donc, si comme la sautie, parce que le sénateur a dit lui-même, s'il touche bien, vous comprenez? S'il a bien passé. Donc, faut que mon capteur va avec lui, lui-même. Vous comprenez? Il a bien passé. Donc, les gens ont eu dans le chèque là. Donc lui-même il a arrangé lui avec équipe lui avec business team yo paye tout le monde et puis les chèques la vini qu'on y a là chèque ça qui t'a dû aller joindre responsable bureau pour régler faire bureau donc il a juste remplacé ça qui t'est sorti à purement et simplement en tout cas c'est là tu as risqué 3-7 ans prison si une quoi ordonnance juge Martel Jean-Claude oui c'est là tu as dû aller juger dans tribunal criminel criminel sénateur La Tortue, ancien sénateur La Tibonite. C'est un criminel. Sénateur élu. Sénateur élu. Ok, au 100-600 jury. C'est un bon procès là. Sénateur, tu vas juger 100-600 jury. On aime un document là, va et on nous cherche. Mais où est journaliste? On va y aller, on va y aller. Il y a qui va y aller. Depuis hier soir. Et moi, Martin, on va fouiller. On va venir dire. On va venir dire. Il y a qui va y aller. Ouais. Ça passe là. Fais-y, n'a pas parlé de sénateur là. Tu vois, là, il y a un petit problème. Ça passe là. En tout cas. Oui, bon, je vais retenir ça. En tout cas, c'est ça l'information. Retenir ça.
Monsieur Yuri La Tortue, né le 13 novembre 1967. Au naïf, département de Tibonite, national haïtien, avocat de profession, pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt. Joseph Lambert, Joseph Lambert, puis grève sénateur La Tortue. Il fait en 61. 61. Et La Tortue lui-même. La Tortue fait 67. Oh, en 67. Ok. Lambert, 6 ans plus. 6 ans plus. Des bons amis. Hein. Bon. Des hommes de pouvoir. Oui, voilà. Ça fait un bar. Je ne sais pas comment on va vivre dans le prochain pouvoir. Là. Voilà. Après une retraite. Si on va dans l'élection. Hein? Après une retraite. Tu après une retraite. On va aller où il est vieux. C'est ça tout. donc, nous avons l'information déjà. Oui, nous avons l'information. C'est que le sénateur Yuri La Tortue, selon ordonnance juge Martel Jean-Claude, juge d'instruction, doit juger devant tribunal criminel sans assistance jury. Et puis, le sénateur Joseph Lambert, lui-même, il doit juger devant un tribunal correctionnel. Donc, le sénateur Joseph Lambert qui a déjà annoncé que la PRAL fait appel de ordonnance. Et puis, sénateur Yuri La Tortue risque 3-7 en prison. Il y en a 3 ans. Un mois. Un mois jusqu'à 3 ans. Jusqu'à 3 ans. Oh, ok. Sénateur Yuri, sénateur Lambert qui a fait poser. Je fais poser. En avance, on avance.